Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog, enfin plutôt pour une semaine de vlog. Je vais vous partager quelques moments de chaque jour jusqu'à vendredi. Donc aujourd'hui, on est lundi 28 juin. J'ai commencé déjà mon ménage. Il est 9h05. Je me suis réveillée à 8h moins 20. J'ai déjeuné, je fais déjeuner mes filles. Là, la petite, elle est devant la télé. La grande, elle est partie à l'école il n'y a pas longtemps, il y a un quart d'heure. Donc du coup voilà, donc là je vais continuer mon ménage. Je voulais quand même vous faire un petit coucou avant. Je vais aussi faire mon linge de blanc. Parce que ça aussi c'est une étape. Donc du coup voilà, je vais faire une machine de blanc. Là il y a une machine de serviettes de bain qui tourne. Je vais faire un peu de rangement. Je me préparerai, je verrai en fonction du ménage, soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi. Parce que j'aimerais bien vous tourner un haul sur les bijoux en acier inoxydable que j'ai acheté sur showroom privé. J'en ai quand même pas mal, j'en ai acheté 9 et j'aimerais vous faire un haul avec des try-on pour vous montrer ce que ça rend au niveau des colliers, des boucles d'oreilles. Je pense que ça peut être sympa, ça peut changer un peu de ce que je fais. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve plus tard. Bon ben voilà, donc là j'ai presque fini mon ménage. Je voulais vous montrer les changements que j'ai fait dans la chambre. J'ai changé quelques décos. Je vais vous montrer ça de suite. Hop. Bon, en haut, rien de grand changement. Dans le plateau, il y a tous les bijoux que je vais vous présenter dans le haul et try-on que je vais tourner cet après-midi. Là, j'ai mis une petite déco qui s'éclaire. En dessous, un petit pot avec une rose, une fausse rose. Le pot est cassé, donc du coup, je l'ai tourné comme ça. Mais bon, ça m'embête de le jeter alors qu'il est juste fissuré. Enfin, il est juste cassé un petit peu en bas. Là, j'ai mis le pot qui était dans mon meuble télé. Et là, un petit pot. Bon, j'ai cassé le couvercle, mais comme je peux le garder et le mettre comme ça. Donc, j'aime bien. J'ai mis la main que ma fille a fait pour la fête des mères. Donc, des fois, je mets mes bijoux là-dedans le soir. Et après, le lendemain matin, je les range correctement. Là, elle m'avait fait aussi un petit collier avec son prénom. Désolée, il y a ma fille avec moi. J'ai fait quelques changements aussi ici. J'ai mis des fausses fleurs en bas. Et j'ai mis un cerf. Après, voilà, j'ai rien changé d'autre, mais quelques petits changements qui font du bien. Bon, voilà, je viens de me maquiller. Je voulais vous montrer quand même. Bon, je suis pas encore habillée, je m'habillerai après manger, mais je voulais vous montrer. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa, ça change un peu. La palette. Alors, c'est la Born the Run de Urban Decay. Voilà, c'est celle-ci. Bon, elle est vraiment cracra, mais bon, je l'adore celle-là. Je la trouve trop trop belle, surtout les deux bleus là. Franchement, ils sont trop beaux. Bon, bah, écoutez, je vais aller faire manger ma fille. Je vais aussi manger. Et après manger, je m'habillerai du coup. Et je tournerai ma vidéo dès que ma fille est à la sieste pour être tranquille. Voilà. Parce que sinon, je vais devoir la surveiller en même temps, tout ça va pas être pratique. Donc voilà, bon, à tout à l'heure. Il fait chaud. Je viens de tourner la vidéo des bijoux que j'avais commandés sur showroom privé et achetés dans ma boutique du village. Je vous ai fait les porter dessus. Ça m'a donné chaud parce que j'avais les cheveux détachés. Je me suis dit, je vais un peu les détacher parce qu'ils sont toujours attachés. Et franchement, je ne les avais pas essayés, les bijoux. C'est super bien, je suis super contente. Il y a juste deux bijoux que je ne m'attendais pas à cette taille-là. Mais bon. Les boucles d'oreilles un peu petites et un collier vraiment long. Mais bon, ils sont super sympas pour le prix. De toute façon, je vous mettrai la vidéo. Elle sera sortie avant le vlog, de toute façon. Donc, vous auriez vu les bijoux avant. Mais franchement, pour le prix, je vous disais dans la vidéo, mais si vous avez des ventes privées ou showroom privés sur Zag ou Iketa, mais foncez quoi. Parce que franchement, vous pouvez faire vachement des affaires. Et même pour offrir, pour faire des cadeaux, tout ça. Franchement, on n'y pense pas. Mais au lieu d'aller s'embêter à acheter des bijoux à je ne sais pas combien. Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que je ne mets pas beaucoup enfin, le prix. Oui, non. Je ne vais pas mettre des sommes astronomiques comme des personnes de ma belle famille qui achètent des bagues à des sommes astronomiques. Parce que moi, j'aime le changement. J'aime changer régulièrement. Donc, ça m'embête de mettre 500 euros dans une bague. Alors qu'autant, 6 mois après, elle va me gonfler, j'ai envie de changer. Ou même, je change de style.
Ma fille a dû m'entendre parler, donc du coup, elle le chouine. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ce week-end, j'ai regardé Cruella, le film. Franchement, je me suis régalée. Il dure 2h20 à peu près, mais franchement, on les voit pas passer, quoi. Alors, autant Cruella, on la déteste dans Les 101 Dalmatiens parce que c'est la méchante, mais autant là, on est avec elle, quoi. Je vais pas vous raconter l'histoire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais franchement. Si vous avez l'occasion de le regarder, n'hésitez pas parce que franchement, vous allez vous régaler quoi. Et sinon, en ce moment, je regarde Lucifer. Enfin, on avait recommencé à zéro parce qu'on a tellement aimé qu'on a tout recommencé. Et on n'est toujours pas aux nouvelles saisons. Là, on est à la saison 3, je crois, vers la fin. Mais bon, on adore cet acteur donc voilà. Donc, je vous partage quand même ce que je regarde en ce moment. Ça peut vous donner des idées. Bon, après, je pense que Lucifer, tout le monde connaît. Tout le monde connaît au moins les fesses à Lucifer, si on peut dire. Donc voilà. Et après, c'est vrai que j'ai d'autres séries à continuer, mais j'ai trop la flemme. Alors, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai la flemme. J'ai la flemme de rester devant la télé à regarder l'écran et rien faire à côté, quoi. Ben, autant là, le film, je me suis régalée, mais autant les séries, pour moi, j'ai pas envie. Je pense que je m'y remettrai un peu plus tard. Parce que je dois finir Elite. Et je crois qu'il y a The Sinner aussi qui est à la suite. Ça aussi, j'avais bien aimé la saison 1. La 2, un peu moins. Mais là, la 3, pourquoi pas, quoi. Parce que des fois, même ça me plaît pas, je regarde jusqu'à la fin. Parce que je veux quand même savoir. Et voilà. Écoutez, maintenant, je vais aller ranger mes bijoux. Parce que du coup, j'en ai pas mal. Et comme je disais dans la vidéo de haul, je cherche un rangement pour mes colliers. J'en ai trouvé un sur AliExpress, mais. Je crois qu'avec les frais de port, ça me revient à pratiquement 20 euros. Ça me fait chier de mettre 20 euros pour du AliExpress, quoi. Mais bon, après, c'est sympa pour mettre les colliers. L'idée n'est pas bête. Après, j'avais pensé en faire moi-même, enfin, mon compagnon me le fasse, mais j'ai pas trouvé d'idée super passionnante sur Pinterest. Donc, je sais pas. Pour le moment, je vais les mettre dans mon tiroir, comme je fais. Et comme demain, je vais faire un peu les boutiques le matin. J'aimerais aller chez Noz. Et je dois faire Noz Action. Et je vais voir peut-être pour faire Stokomanie aussi si j'ai le temps. Parce qu'à midi, je vais manger chez ma mère. Et comme déjà Noz, il est à pratiquement 50 minutes de chez moi. Donc du coup, voilà. Et que ma mère habite à 40 minutes de chez moi aussi. Donc, je vais voir ce que j'aurai le temps de faire. Je vous ai pas montré comment je suis habillée. J'ai mis une robe blanche avec des. Vous avez dû le voir, avec des pampilles dorées. Je l'aime trop cette robe. J'ai l'impression qu'elle a rétréci par contre, mais je l'aime trop. Je sais pas, je me sens un peu serrée. Alors que c'est pas ce que j'ai, un mot qui va. Voilà quoi. Bien sûr, je n'ai pas mis de chaussures. Pour rester à la maison, j'aime pas du tout mettre les chaussures, donc du coup je les choisirai plus tard. Voilà, et voilà, tout rangé. Si une vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, je vous la tournerai pour vous montrer tous les bijoux que j'ai. Et mon organisation aussi. Nouvelle journée. On est le 29. Je vous montre ma tenue du jour. Voilà. Et au pied chez nous. Hop, des tamaris. Le pantalon de Kahane au new look. Ben, mes bijoux comme d'hab. Voilà, je vais me détacher les cheveux et on va partir faire les magasins. Allez, à plus tard. Hey, me voilà de retour de ma journée shopping. Finalement, ça a été une journée, on va dire. Ouais, ce matin, je suis allée à Noz Action Stoku.
À Noz, j'ai trouvé quelques petits trucs, dont ça. Je vais vous spoiler un petit peu. Je ferai quand même une vidéo haul pour vous montrer, mais je vais. Voilà, pour ma fille, pour ses 1 an. C'est à partir de 1 an et demi jusqu'à 5 ans. Ça fait de la musique et tout, donc ça a l'air plutôt sympa. Je suis allée à Adopt pour le cadeau de ma copine, cadeau d'une copine, vous savez, celle que je prépare une petite boîte. Du coup, voilà, je spoil un tout petit peu. Voilà. Et là, j'ai reçu mes baskets que je vous avais parlé, mes Nike. Donc, je vais vérifier que tout va bien. Après, à Noz, j'ai trouvé pas mal de trucs super intéressants. D'ailleurs, je vous les montrerai une fois que j'ai déballé les sacs. Quoique, non, ça va pas au frais. Non, je voulais. Sinon, j'ai trouvé pas mal de choses pour ma fille. Pour manger, j'ai pris plein de yaourts Nestlé. Ils étaient à moins de 1 euro, les 4. Ça valait trop le coup. Sachant qu'on les paye entre 2 euros et 3 euros chez Leclerc. Donc, du coup, j'étais plutôt contente. Ça, c'était la bonne affaire du jour. Du coup, voilà. De toute façon, je vous ferai une vidéo haul Noz, tout ça, ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je vais pas acheter des tonnes de choses, mais ça peut être sympa à partager. Je suis claquée. J'ai beaucoup marché. Bon, ça va que j'avais des chaussures quand même confortables. Et cet après-midi, je suis allée voir une copine qui travaille dans un magasin de la galerie, vers chez moi. Du coup, elle m'a offert un petit bracelet. Faudrait que je vous montre, il est trop beau. Je suis trop contente. Et du coup, j'ai goûté avec elle. Et après, elle finissait à 20h. Donc, je n'allais pas rester jusqu'à 20h avec elle. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Quoi? Ouais, ça a été une grosse journée. Nous, on en a marre. Ben moi aussi j'en ai marre parce que j'ai très mal dormi. Et comme aujourd'hui j'étais avec ma mère, j'ai rien partagé parce que voilà quoi. Bon, ben pour cette journée, on n'aura pas fait grand chose. J'aurais pas partagé grand chose avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh! Ouais, t'es une maline, ouais. Et ouais, j'aurais pas partagé beaucoup de choses avec vous, mais bon, peut-être demain. Demain, je pense peut-être aller marcher. Quoi? Je te vois. T'es une coquine. Demain, ouais, je compte aller marcher le matin. Et après, je compte mener ma fille à McDo. Elle aime bien y aller, donc du coup, je pense que je vais lui faire plaisir. Je vais l'amener à McDo manger à midi. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors, hier, j'ai pas tourné. Aujourd'hui, on est le jeudi 1er juillet. Donc, hier, ouais, j'ai pas tourné. Parce qu'en fait, je suis allée faire le marché avec mes filles. Et je les ai menées à McDo le midi, enfin, surtout la grande. Et voilà, et l'après-midi, je me suis reposée parce que j'ai une sinusite, je le sens. Je suis prise au niveau des narines et ça remonte. Et hier, franchement, j'étais crevée. Donc, du coup, je me suis reposée, j'ai pas filmé. Et après, ouais, vers 4h, on est allé, enfin, elle est allée se baigner chez sa mamie. Donc je l'ai menée. Et du coup, voilà, hier soir, je me suis couchée tôt parce que j'en pouvais plus. J'avais la migraine, tout ça, j'étais pas bien. Donc du coup, là, aujourd'hui, enfin, le programme, ma fille, elle vient de partir à l'école. La deuxième est à côté, en train de s'amuser avec son biberon d'eau. Non, Serena. Ouais. Donc du coup je vais faire un petit peu de tâches ménagères parce que j'ai mon linge à plier, nettoyer un petit peu par-ci par-là, mais c'est pas. Voilà. Et après j'aimerais bien tourner une vidéo sur les achats que j'ai fait mardi, sur Noz, Adopt, tout ça. Et comme ça au moins c'est fait. Et après je peux laver ce qu'il y a à laver. Et oui, j'ai reçu deux articles aussi d'AliExpress et franchement je suis bluffée. Il faut que je vous montre ça dans une vidéo. Quand j'irai chercher ma fille à l'école, je l'amène voir le maître nageur pour qu'il lui donne quelques leçons. Elle sait nager, enfin elle sait nager, elle se débrouille. Mais bon, c'est pas non plus la folie, donc on préfère lui prendre quelques cours. Comme ça au moins elle sera bien au point. Et sinon, il faut que je pense à préparer aussi l'anniversaire de ma seconde, qui va avoir 1 an la semaine prochaine. Ça passe trop vite, j'ai envie de pleurer. Donc du coup, voilà, il faut que je prévoie, il faut que je fasse une liste de voir ce que je dois acheter. Ben, les cadeaux, j'en ai pris un à Noz que je vous avais un petit peu montré, mais j'aimerais bien y prendre 2-3 bricoles. Et après c'est tout parce qu'elle est petite. Je me dis que si on me fait des enveloppes,
Je les garderai quand j'ai besoin de m'acheter une paire de chaussures pour elle ou des vêtements, je piocherai dedans. Ou sinon, je mettrai sur son compte vu qu'elle a un compte. Au moins, voilà. Parce que franchement, là, je vais aller chercher ce week-end. Ma grande, elle avait les tutus de copains. Vous savez, c'est ceux avec le château de princesse, les fées, les sirènes. Et elle a quoi? Oh, c'est tout, je crois qu'elle avait ça. Bon, c'est déjà pas mal. Elle avait les trois. Le château, il est immense. Et un petit personnage, on en a aussi pas mal. Donc, je sais que c'est à partir de 12 mois. Donc, j'irai lui chercher. Parce que ça, je pense qu'elle peut bien s'amuser, vu que ça chante et tout. Et voilà. Je pense que ça sera bon. Il faut que j'aille aussi commander le gâteau. Voilà. Donc, là, je viens de me préparer. Donc, j'ai fait un maquillage assez naturel. Parce que j'ai lavé mes pinceaux ce matin. Comme une bête que je suis. Et du coup, ben, je l'ai fait au doigt. Mais bon, ça a l'air plutôt pas mal. Je vais vous montrer comment je suis habillée. J'ai mis une nouvelle boucle. Voilà. C'est une robe chine qu'on m'a donnée. Maintenant, je suis allée sur le site de Minot du Sud. Je sais pas si vous connaissez. C'est des habits vraiment super beaux. Bon, de base, ils sont très très chers. Et là, j'ai vu un short couleur un peu beige. Voilà, il est super beau. 20 euros. Il me tente bien. Je vais attendre la paye. Parce que d'ici là, je me dis que autant il peut baisser un petit peu. Avec les démarques. J'ai eu un blanc. Donc, je sais pas si vous avez fait les soldes. Moi, pour le moment, je ne les ai pas faites. En même temps, enfin, j'aimerais des choses pour ma fille, ça oui. Des pyjamas, des choses comme ça pour l'hiver, parce que j'en ai pas. Mais bon, j'attends pareil, comme tout le monde, je pense la paye. Et si le 17 juillet, je vais faire les boutiques avec mes copines. On va aller au village des marques à Miramas. Je sais pas si vous connaissez. Et du coup, voilà, on va faire un tour. En fait, on n'y va pas spécialement pour les soldes, mais on y va pour se retrouver, quoi. Donc, c'est mes copines du travail. T'as vu qu'elles ne travaillent plus avec moi, à part une. Donc, du coup, voilà, on va faire ça. Bon, par contre, j'espère qu'on va pas avoir une chaleur de ouf, parce qu'on y était allé il y a 2 ans, et c'était horrible, tellement qu'il faisait chaud. Heureusement qu'ils mettent des petits jets d'eau, on peut s'arroser, parce que... Bon, déjà, moi, j'y vais sans mes filles. Je les fais garder, parce que c'est pas possible. Déjà, une journée en boutique... Déjà, on a 1 heure, ouais, peut-être moins d'une heure de route, mais bon, quand même. Ça, le temps, les magasins, si c'est pour qu'elle fasse que crier, la petite toune, c'est pas la peine. Je préfère profiter de ma journée avec mes copines. Je vais pas voir le maître nageur non plus, parce que monsieur n'a pas le temps dans notre village. Donc, du coup, il faut que j'en trouve un autre. Bon, mais voilà, je viens de tourner mon haul AliExpress, Noz, Adopt, tout ça. Stocko. Donc maintenant je vais aller ranger tout ça et je me languissais trop de le tourner pour pouvoir laver une pépite que j'ai eue sur AliExpress. Mais par contre, je vais pas vous la spoiler. Je vais vous laisser découvrir dans le haul parce que le haul sortira que la semaine prochaine. Donc du coup, voilà. Mais franchement, je suis bluffée. Je vais aussi regarder sur les sites pour les soldes, comme j'aimerais bien me trouver un petit panier, un sac panier. Parce que là, j'en ai un, mais il est pour offrir. Je me suis tâtée, je me suis dit autant je me le garde. Mais bon, à la base, je l'ai pris pour ma copine. Et je pense que ça lui fera tellement plaisir que c'est pas grave. Moi, j'en ai mis un de côté, j'adopte. J'ai mis un sac camel avec une boucle cowboy. Vous connaissez ma passion pour tout ce qui est western, les franges, les boucles. Du coup, là, j'en ai mis un de côté. Donc, je me languis d'aller le chercher. Bon. Il est 15h20, je me suis reposée, je suis dans le lit depuis 13h et quelques. J'ai fait ma feignasse. Donc j'ai regardé quelques vidéos YouTube sur les soldes. J'ai regardé ce que les gens ont acheté. Du coup voilà, j'ai les yeux éclatés. J'ai pas dormi mais bon. J'ai encore le nez bouché. Mais bon, ça va pas partir d'un coup. Là je prends un petit traitement pendant quelques jours pour que ça passe. Par contre, je suis en plein dilemme. J'ai envie de me couper les cheveux. Enfin, me couper les cheveux, couper les pointes, quoi. Parce que là, je vais vous montrer. La tignasse, quoi. Je sais pas si vous verrez, mais aux pointes, on dirait qu'ils sont pas de la même couleur.
Quand je les attache, on dirait qu'ils sont plus roux que rouges. Je sais pas si vous verrez. Non, on voit pas. J'essaie de me mettre un peu à la lumière. Non, attendez. J'ai pas l'impression qu'on voit. Parce que normalement, quand on les prend dans les mains et qu'ils restent droits, ça veut dire qu'ils sont abîmés. Et je les ai pas coupés depuis décembre, je crois. Ouais, décembre, il me semble. Bon, par contre, je prends 1 centimètre et demi par an. Parce que là, vous pouvez peut-être pas, mais j'ai mes racines. Ah, oui, si, regardez. J'ai pas fait ma coupe depuis début mai. Ouais, c'est ça, début mai. J'ai au moins 1,5 cm de pouce. Et voilà. Et ça me gonfle cette mèche. Je sais pas pourquoi ça fait toujours ça. C'est chiant. Donc ouais, j'aurais bien voulu couper 2 cm. Parce que je les veux pas trop courts. Ouais, j'aurais voulu les avoir là. Donc je me tâte. Peut-être aller prendre rendez-vous. Je vais refaire ma couleur la semaine prochaine. Il faut que j'aille l'acheter. Mon compagnon va me la faire. Donc parce que comme après c'est l'anniversaire de ma fille, j'ai envie d'avoir les racines faites comme ça au moins pour faire les photos, pour les souvenirs. Ça fera un peu joli quoi. Il manque un cadeau pour les maîtresses. Donc j'aimerais bien aller le prendre dans une petite boutique de mon village s'il y a, comme il y a les soldes, s'il y a un petit truc pas trop cher. Comme ça, ce soir, je les emballe avec ma fille et demain, elle les donne. Au moins, c'est fait parce qu'après, la semaine prochaine, il reste que 2 jours d'école. Bon, elle y va hein, parce qu'après, elle commence un peu le centre, mais je vais la mettre à l'école pour les 2 jours. Elle s'en fout. En plus, elle est trop contente d'y aller, quoi. Donc, du coup, je vais aller faire un tour pour ça. La coiffeuse est ouverte, autant je m'arrête et je prends rendez-vous pour demain. Comme ça, elle me lave les cheveux et j'ai pas besoin de le faire ce week-end parce que ça me gonfle de laver les cheveux. Sachant que je fais 2 à 3 shampoings, soin normal, je pose le soin rouge, 20 minutes, entre 20 et 40 minutes, et je retourne rincer. Donc c'est long. Moi je me suis mise au foot des mamans. Alors par contre le foot, je n'y connais rien. Mais là c'est sympa parce qu'on fait, je peux vous en parler, je ne sais pas si dans votre ville ils font ça. À côté, enfin dans les villes aux alentours plutôt, ils font le foot des mamans. Donc en fait c'est le jeudi soir. Donc ça serait ce soir, mais ce soir ils vont au restaurant et comme moi franchement je suis malade, j'ai pas envie d'y aller. Par précaution, j'ai pas envie de refiler ma sinusite ou que sais-je. Parce que de suite si je dis que je suis malade, on va croire que j'ai le Covid. Donc voilà. Et du coup on se rejoint le jeudi soir de 19h à 20h30 et après on y a un petit apéro parce que c'est aussi pour faire l'apéro. Donc du coup on fait des circuits avec le ballon. On fait des petits matchs amicaux, mais vraiment, il n'y a pas de règle quoi. C'est de prendre le ballon, de faire des passes. Mais c'est rigolo. Par contre, il y en a une, c'est une... Je crois qu'elle s'est trompée de sport, elle croit qu'elle est au rugby. Elle fonce dedans avec ses crampons. Elle m'a tué le pied la dernière fois. Donc moi, du coup, j'ai un peu peur d'aller au contact. Parce que c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Bon, mais... En plus, mes crampons, ils sont souples dessus. J'ai pas voulu... Vous savez, avec une coque, parce que vu que j'ai un hématome à mes orteils, à mes 2 pouces d'orteils, le truc, s'il est trop serré, ça me fait mal. Je peux pas supporter. Donc j'ai préféré prendre souple, mais sauf que quand je me prends un impact, un coup de pied ou quoi, je le sens. Mais bon, c'est sympa. Et après, ils font apéro. Bon, moi, comme je bois pas d'alcool, je bois un oasis ou je bois ma bouteille d'eau, quoi. Mais c'est sympa, parce qu'après, on parle de tout. Les mamans sont plutôt sympas. Elles me font rire parce qu'elles ont des ados, donc c'est rigolo. Quoi. Mais bon, c'est sympa. Ça fait se dégourdir un peu parce qu'avant je faisais de la Zumba. J'adorais. Je faisais de la Zumba fitness et Zumba. Mais le problème, c'est que l'ambiance a été pourrie. En fait, comme c'est un village, si on est un village à côté, pareil, si t'es pas de leur village, ils te parlent pas. C'est pas parce qu'on est du village d'à côté qu'on n'est pas sympa. Et moi, les seules que je m'entendais, elles venaient plus. Donc du coup, ça m'a un peu coupé la chic. Et avec mon travail, je rentrais des fois à 6h. Et c'était à 6h30, j'avais pas envie. Donc du coup, le temps de m'habiller, de repartir et tout. Donc je préfère faire celui-là une fois par semaine.
Demain, il y a la kermesse. Du coup, c'est sympa, à 4h30. Donc, du coup, on va pouvoir faire des petits jeux, c'est sympa. Clôturer l'année, une année encore bien particulière. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée. Donc, on est le vendredi 2 juillet. Donc, ma fille vient de partir à l'école il y a 5 minutes à peu près. Voilà, je suis avec la petite Toun. Je vais faire un petit peu de ménage comme tous les jours pour entretenir. Et si j'ai la motivation, en fin de matinée, je mettrai des articles sur Vinted. Parce que j'ai des pyjamas de ma fille en 9 mois à mettre. Et j'aimerais peut-être faire un petit tour dans le dressing des filles. Parce qu'il y a des trucs d'été qui sont vraiment petits, je crois, du côté de ma grande. Donc voir si je les mets en vente ou si je les garde pour sa sœur. Donc autant je vais faire ça. Du coup aussi, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. J'ai rendez-vous à 15h30. Donc j'irai avec ma fille. Parce qu'à la base, je voulais la faire garder et aller chez le coiffeur et après aller à la kermesse, comme il y a la kermesse aujourd'hui. Retourner chercher ma fille et aller à la kermesse. Mais je vais faire des allers-retours pour rien. Donc je pense que je vais la prendre directement avec moi. Je vais y prendre des jouets pour l'occuper. Sachant que je vais juste couper les pointes, refaire ma sorte de frange rideau. Ma couleur, je la ferai la semaine prochaine. Il faut que j'aille acheter les produits. Et je pense que je vais pas faire de brushing. Parce qu'avec il fait trop chaud. Et ça me rend les cheveux électriques. Donc je vais juste lui dire qu'elle me sèche vite fait les cheveux comme ça. Et ça sera très bien. Et je vous ai aussi fait vite fait hier soir, je vous ai montré comment on avait emballé les petits cadeaux des Adsem. Du coup, on les donnera ce soir à la kermesse. Bon, je vais juste regarder s'il y a des choses qui vont un petit peu petits pour ma grande. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des t-shirts genre ACDC, des trucs comme ça, ils sont un peu courts. Donc tout ce qui est trop petit, je vais l'enlever et je vais le stocker dans les boîtes qui correspondent aux tailles. Vous verrez pas, mais... J'ai fait une boîte de ce qui va plus. Non, je vois là. Voyez ce petit ensemble, je sais pas si vous verrez bien. Ça, c'est trop mignon avec le petit short. Ça à Leclerc, je vais pas dire de bêtises, mais je crois 15 euros l'ensemble. Et franchement, elle l'a mis pour un anniversaire, super beau. Non, Serena. Serena. À tes souhaits. À tes souhaits. Aïe. Bon plan aussi. Ce petit short, il vient de Leclerc. 5 euros, il me semble. Donc vous voyez, tout simple, il se règle à la taille. Franchement, très bien. Si vous pouvez, si vous tombez dessus. Allez, on s'en va.
voyez, j'ai quand même déjà enlevé 1, 2, 3, 4, 5, 6 t-shirts. Et c'est pas fini. Donc du coup je vais enlever ces deux. Elles sont super belles, mais du coup elle en a pas profité. Donc je les garderai pour sa sœur. Par contre, regardez, elle m'a pété les chaussures là. Donc du coup, je pense qu'elle peut quand même les mettre parce que le... Et au pire, elle les finira dans le jardin. Fini le petit tri, on va dire. J'ai enlevé surtout les vêtements de ma fille de 9 mois. Comme ça, au moins d'hiver, parce que là, de toute façon, l'hiver prochain, elle traduit 12 voire 18 mois. Donc, et j'ai aussi trié 4 bricoles de ma grande. Je vais voir si je peux enlever des choses dans mon dressing. Voilà, j'ai enlevé quelques trucs, mais il y a quelques trucs que je veux essayer avant pour être sûre. Genre les deux soutiens-gorge, il faut que je les essaye. Là, le pantalon, je vais l'essayer. Donc, je vais essayer tout ça. Et comme ça, je sais si je garde ou si je garde pas. Du coup, voilà, j'ai fait le tri. J'ai juste remis deux trucs dans la penderie que j'ai essayé qui me vont.
petit look du jour. Voilà, je n'ai pas mis de boucle vu que je vais chez la coiffeuse et que j'ai pas envie qu'elle me les arrache. Du coup voilà, je vais y parler dessus là, sinon je suis sûre qu'elle va me les défoncer. Donc on va éviter. Sinon ma robe vient de chez Mino du Sud. Ma ceinture, c'est Louis Jo. Je l'avais pris sur showroom privé au mois d'avril. Vous voyez, il y a plein de petites perles sur le côté. Voilà. J'ai mis un petit bandeau parce que sinon elle est maxi décolletée. En fait, il me semble que c'est une taille unique, mais elle taille très grande. Donc si vous commandez sur ce site-là, faites attention, prenez une taille en dessous, je pense, de votre taille habituelle parce que ça taille très grand. J'ai une quoi que l'autre, c'est une quoi. J'ai une autre robe de chez eux, je sais pas, et pourtant elle me va bien, mais celle-là, vu que c'est ample ça, de base, prenez une taille en dessous. Voilà. Je pense que ça sera le mieux. Donc là, j'ai mis mes petites bagues. Voilà. Et de l'autre côté aussi, je fais que porter en forme de chaîne. Je la trouve trop belle. J'ai pas mis celle à Pampi parce que comme je vais à la kermesse et qu'on va faire des activités avec ma fille, j'ai pas envie de la casser. Et mes cheveux. Mais vu qu'on va aller les couper, je vais juste les détacher au dernier moment. Donc vous voyez, je sais pas si vous verrez, c'est ça justement. Je vous disais, c'est pas de la même couleur. Donc voilà, on va couper tout ça. Après, je me suis maquillée avec la palette de Too Faced, la Peach. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. J'ai mangé, j'ai couché ma fille, je me suis un peu reposée. J'ai regardé quelques vidéos YouTube de personnes que je suis. Et voilà, je me suis préparée. J'ai préparé un colis parce que j'ai mis des vêtements à vendre ce matin de ma fille. En 9 mois, je crois qu'en 9 mois, il y a presque tout qui s'est vendu. Une personne m'a pris un lot. Là, il est quelle heure? 15h01. Dans 5 minutes, je vais la réveiller. Ah, je vous ai pas montré, mais j'ai changé mon tour de montre. Vous voyez que les strass avaient pété. Du coup, voilà. Je l'ai reçu hier. Du coup, voilà. Ça fait quand même plus sympa parce que j'aimais pas envoyer qu'il manquait des strass. Du coup voilà, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais pas tarder à aller réveiller ma fille. On va aller chez la coiffeuse parce qu'il faut que je prépare le goûter de ma fille et tout pour la kermesse, parce qu'il n'y a pas de stand pour la nourriture, enfin pour qu'il goûte quoi. Et ce soir, si je suis motivée après le retour de la kermesse, je vous montrerai mes cheveux. Parce que ça donne. Bon, bien sûr, il ne faudra pas tenir en compte que j'ai beaucoup de cheveux blancs et que j'ai des racines. Parce que j'ai pas acheté ma couleur, donc je la ferai que la semaine prochaine. Du coup, voilà. Bah écoutez, je vous dis peut-être à plus tard.